Chers amis, bonsoir et merci de nous rejoindre sur TVN3 pour votre émission Parlez-moi d'avenir avec votre grand ami Nino. Et ça me fait toujours un plaisir immense d'être en votre compagnie pendant ces 2 heures de direct. J'aime aussi, quand vous m'appelez sur le 903, j'aime bien répondre à vos questions et essayer d'être le plus précis possible, même si le temps, on sait que c'est pas toujours évident. Alors, on évite les questions santé, juridiques, voilà, je fais que me répéter, mais vous le savez, on peut survoler les énergies, ça y a aucun problème, mais vraiment un diagnostic santé ou juridique, ça on peut pas faire. Alors, vous désirez arriver ici à mes côtés en studio? Ben oui, il y a du monde, mais je me sens un peu seul là à l'antenne. Donc, je suis impatient de vous avoir en ligne avec moi et de pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, on peut passer par le numéro de téléphone 0901 901 993. Touche numéro 1, et là, sans délai, vous arrivez directement ici à mes côtés. Si vous désirez joindre la belle équipe qui est en bas de votre écran, donc tous nos amis qui sont là pour vous, eh bien, vous faites le chiffre 2 et vous introduisez le code PIN du consultant ou de la consultante que vous souhaitez consulter. Et si vous ne savez pas qui choisir, oui, ça peut arriver parce que vous avez déjà consulté plusieurs et vous avez envie peut-être d'une autre approche, d'une autre façon, parce qu'on travaille tous dans le même objectif, mais il y en a qui sont meilleurs dans certains domaines et tout, donc n'hésitez pas, faites le chiffre 3, le petit chiffre porte bonheur, et voilà, c'est... un carrousel et hop, vous aurez quelqu'un que sûrement vous n'avez jamais eu et avec qui ça va, j'en suis certain, très bien se dérouler. Voilà. Alors, il y a aussi, en alchimie avec la régie comme d'habitude, il y a aussi le concours SMS. Vous êtes très nombreux à le faire, donc c'est 1 franc symbolique. Donc ça vaut la peine vraiment de le faire, TVM3, comme indiqué sur votre écran, qu'on envoie au 700, donc absolument rien de compliqué, la petite flèche, et alors ça arrive dans un ordinateur chez nous, qui a un programme prévu à cet effet, je parle en gros, parce que je m'y connais pas du tout, c'est pas ma partie, c'est pas mon domaine, mais voilà, j'aime bien vous expliquer, voilà. L'ordinateur reçoit donc vos SMS et puis de façon aléatoire, il va tirer un numéro de téléphone au sort. Et si donc vous avez participé au concours SMS ce soir, peut-être sur votre portable, il va avoir un numéro qui va vous appeler que vous ne connaissez pas. Eh bien, il faut décrocher, ce n'est pas du démarchage, ce n'est pas pour vous vendre des meubles ou des choses comme ça, bon, pas du tout. C'est bien nous, c'est bien la régie qui vous appelle pour vous dire, voilà, vous avez gagné la consultation SMS avec Nino et on vous met en contact directement avec moi. Donc, pour le franc symbolique, 4 voire 5 questions pas trop longues et je réponds, avec un immense plaisir. Pour ceux et celles qui n'auraient pas de Donatel ou de portable, ou qui en ont un, mais qui préfèrent le concours carte postale ou petite lettre, eh bien, ça peut se faire aussi. Mais là, il faut attendre un peu plus de temps. Ce sera quelques jours, les délais postaux. Donc, vous prenez une carte postale, vous en avez une qui traîne chez vous, j'en suis sûr, ou un papier avec une enveloppe, et vous notez votre nom, prénom et surtout votre numéro de téléphone, sans quoi... pourra pas vous appeler, donc vous envoyez tout cela donc à TVN3 concours, case postale 285 à 1024 écus blancs, et donc
donc dans quelques jours, là aussi, vous aurez un numéro peut-être que vous ne connaissez pas qui va vous appeler pour vous dire que vous avez gagné le concours carte postale. Et là, ce sera avec le voyant ou la voyante qui sera en direct ce soir-là. Ce sera peut-être moi ou une de mes collègues qui se feront aussi un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors, pour en attendant, hein, le premier appel pour débuter l'émission, on va parler de notre shop que vous connaissez bien. Vous êtes nombreux à aller faire un tour sur notre shop et à commander des choses parce que il y a plusieurs choses, il y a plusieurs articles, voilà, de différentes vertus, puisque c'est ça finalement qu'on recherche. Il y a des pierres, donc la lithothérapie bien sûr présente, il y a des oracles, des tarots, des pendules, des bagues, voilà. Vous ne pouvez pas ne pas trouver quelque chose qui pourrait vous intéresser ou faire plaisir à quelqu'un à qui vous avez envie, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Alors, moi, j'ai sélectionné le shop, le bracelet ajustable en cuivre de haute qualité avec 6 aimants de 3500 gauss. Alors, j'aime ses vertus, c'est surtout pour ça je pense que je l'ai sélectionné. Donc, pour soulager les douleurs articulaires dues aux inflammations, pour améliorer la circulation sanguine ou pour le bien-être en général, notamment une meilleure qualité du sommeil et une réduction du stress. Un grand stressé comme moi qui ne dort pas beaucoup, un bracelet comme ça, ça pourrait m'aider. Donc c'est pour ça que voilà, vous le voyez sur notre écran, très joli. Pourquoi ne pas profiter des vertus de ce bracelet? Alors, je vais dire quelques mots, hein, mais n'hésitez pas à m'interrompre, parce que c'est le but aussi de l'émission, que vous soyez en direct avec moi. Donc, je parle du shop, je parle de toutes sortes de choses, mais interrompez-moi, il n'y a aucun problème, c'est pas du tout impoli, que du contraire, c'est ce qu'on attend, et c'est ce que j'attends de vous, d'arriver ici à mes côtés. Voilà, alors l'arthrose comme l'arthrite, trouverait un apaisement dans le port d'un bracelet de cuivre grâce à son effet anti-inflammatoire. Le cuivre est un oligo-élément essentiel à la solidité osseuse. Donc il trouvera également sa place pour des problèmes d'ostéoporose. Porter un bracelet en cuivre est une excellente solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre. Indispensable par le simple biais du contact entre le métal et la peau. Des milliers d'hommes et de femmes dans le monde qui souffrent de rhumatisme portent aujourd'hui un bracelet de cuivre. Et oui, il s'agit d'un phénomène et d'un sondage fondé sur la satisfaction de ceux qui portent ce bracelet et qui ont été donc soulagés. Le bracelet de cuivre ne date pas d'hier. Nombre de vestiges archéologiques attestent l'omniprésence de bracelets dans les civilisations égyptiennes, grecques, romaines, tel un bijou aux vertus thérapeutiques. Alors, dans les années 70, les années 70, le docteur Walker, scientifique australien, fit une étude révélant l'action thérapeutique du bracelet de cuivre. Alors, il montra que le cuivre des bracelets pénétrait à travers la peau pour se diffuser à travers l'ensemble de l'organisme. Il faut savoir que le cuivre est un puissant anti-inflammatoire. Alors, voici ce que le docteur Walker disait au sujet des bracelets de cuivre. Je m'intéresse au bracelet de cuivre depuis 1974, date à laquelle un article, je crois qu'on m'interrompt là. Allô, allô?
Voilà. Je vais faire une petite marque, hein, parce que vous me connaissez, hein, une fois que je commence à lire et qu'après, hein, voilà, je ne sais plus où je suis, mais j'ai entendu une petite voix qui m'a dit allô. Alors, avons-nous quelqu'un? C'est pas grave, hein. Je continue à parler de ce fameux bracelet ajustable en cuivre de haute qualité avec 6 aimants de 3500 gauss. Alors, normalement, maintenant, on a récupéré quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Olivia, Allô? apparemment, que nous avons. Vous êtes Oui, je vous Olivia. entends un peu de loin, Nino. Et ben, je vous avoue que moi aussi, je trouve ça bizarre, mais d'habitude, j'entends bien. Je vous entends un Voilà. peu de loin. Voilà, donc, et maintenant, ça va mieux? Un peu mieux, oui. J'ai mis tout est à fond, hein, donc plus je ne saurais pas. Voilà, donc vous êtes Olivia, vous ne passez pas à l'antenne, mais vous êtes une voyante de notre équipe qui est dans tous mes amis là en dessous. Donc on peut voir votre photo. D'ailleurs, au code 768, vous apparaissez. Et voilà, je suis Voilà, oui. ravi que vous soyez avec moi ce soir et je vais vous laisser avec nos Moi aussi, le téléspectateurs. plaisir est pour moi aussi. Plaisir Oui. partagé, vraiment. Et donc, je vais vous laisser un petit peu avec nos téléspectateurs pour dire un peu voilà, vos mancies, ce que vous savez faire, peut-être une petite anecdote. Je vous laisse parler. Bah oui, en fait, je suis médium sensitive. J'ai tout simplement commencé mes petites consultations avec des consultations gratuites au sein de mon entourage, pour mon entourage, hein. Donc, c'est-à-dire que je fais ça à titre gracieux. Mais après, justement, quand j'ai commencé à voir que j'ai des retours positifs, j'ai donc décidé de mettre mon don au service de ceux qui en ont besoin. Donc Mais vous ça avez a très commencé il y a au moins bien. une dizaine, voilà, ça a commencé il y a une dizaine d'années, hein. Donc tout a commencé par le biais des réseaux sociaux, voilà, petite consultation gratuite, plus un peu de ressenti, tout ça, jusqu'à ce que voilà, j'ai commencé à avoir une fois sur deux, voire deux fois sur trois par moment, un retour positif. Et c'est de là où j'ai commencé à appuyer les choses par on va dire, des supports tels que le tarot de Marseille, l'oracle de G, l'oracle de Bénin. Donc voilà, en fait, je suis médium sensitive. Donc j'utilise Oui. les ressentis. Hein, mais je m'appuie aussi sur quelques supports, dont principalement le tarot de Marseille. Donc, je suis sincère, je dis uniquement ce que je sens. Hein, donc, quand je dis je suis sincère, Sans c'est pas parce que complaisance, bien voilà, je sûr. vise quelqu'un ou qui que ce soit, non, mais voilà, sans complaisance, je dis ce qui me traverse entre les yeux. Donc, j'éloigne toute. Les choses qui peuvent influencer mon avis, même si la cliente me répète plusieurs fois la question, ou bien même si elle veut entendre, je pense qu'elle veut entendre, eh ben non, je reste sur ma position et je donne que mes ressentis. Après, par Mais rapport si on fait de la aux complaisance, années. c'est pas intéressant, hein. C'est bien de ça, Ah non, du tout, justement, du tout, du quand tout, vous du tout, ressentez du tout. quelque chose, même si la personne n'est pas prête à entendre ça et voudrait entendre autre chose, vous êtes comme moi et comme nous tous, on dit les choses comme elles sont. On va pas modifier pour embellir On n'a pas à après la modifier, personne voilà. sera insatisfaite de toute façon. Donc voilà, j'aime beaucoup votre façon de travailler. Voilà. Donc, je vois que là aujourd'hui,
c'est très intéressant d'être très authentique et de rester sincère à ses messages et ses arcanes. Donc, plus on est, le plus on peut se connecter à la spiritualité et on peut justement donner de nous-mêmes pour savoir guider. Donc ça, c'est essentiel pour moi. Après, je fais un peu d'astrologie. Je l'avoue, je ne m'appuie pas trop sur tout ce qui est astrologie, numérologie, mais je m'appuie essentiellement sur la vibration de la voix. Hein? Donc moi, mon premier support, c'est la voix. Mon deuxième support, c'est le tarot. Voilà, donc après, vous m'avez deux anecdotes ou choses comme ça. Je sais pas, après, si vous avez d'autres choses que vous m'avez demandé, c'était ça? Alors, il y a des coupures, donc j'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Vous m'avez dit si j'ai quelque chose à vous demander. Oui, donc je me rappelle, vous m'avez dit si j'ai une petite anecdote. Ah oui, je disais si voilà, à l'arrière, vous avez eu une cliente ou un client qui a sans dire de nom, hein, mais voilà, en gros, si vous avez eu une petite anecdote à raconter, ben, je vous en prie. Eh ben, je vais vous raconter une anecdote sur une cliente qui m'a appelée Avec en me plaisir. posant une question. Et c'est une question que, franchement, moi, en tant que médium, je peux l'avouer, c'est des questions que je préfère ne pas trop y répondre. C'est des questions qui sont liées aux animaux. Hein? Comme genre, Vous ne est-ce que je vais répondez pas retrouver mon chat? aux animaux. Est-ce que je vais retrouver mon chien? Ouais, je comprends. Moi, Je je ne pardonnerai pratique pas, pas mais comme non c'est une plus. question très fragile. Voilà. C'est parmi les questions que je considère très délicates. Parce que si jamais je lui dis oui, vous allez retrouver, donc elle va commencer à rechercher de nouveau. Hein, et ça va vraiment lui faire perdre de l'énergie et ça va l'accrocher à quelque chose qui pourra ne pas être très très proche de la réalité et de le retrouver. Donc c'est ça en fait. Donc en gros, je préfère pas trop parler de ça. Mais même avec ça, il y a une cliente qui est venue me poser une question par rapport à son chat. Alors je lui dis, écoutez madame, moi généralement je ne réponds pas à ce genre de je ne donne pas des prédictions sur les animaux. C'est très sensible pour moi, c'est considéré comme des enfants. Donc j'ai dit que voilà, par contre elle a insisté et je lui ai fait un petit tirage. Alors dans le tirage, il m'est apparu un cadeau. Eh ben en fait le cadeau, bien sûr, je ne peux pas inventer le cadeau. Bah, comme elle est trop animaux, j'ai dit, il paraît que c'est un animal, mais j'ai du mal à sentir que c'est un chat. Hein? Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai fini par lui dire, il paraît que vous allez recevoir un cadeau animal de compagnie, hein? Et soit, je ne sais pas, un hamster ou bien un chien, peu importe. Alors, ce qui se passe, elle me dit oui, j'aime bien. Donc, elle a été un peu rassurée, enfin, rassurée dans le sens où elle s'est calmée parce que elle s'est mise même à pleurer. Elle était un peu en larmes, la pauvre. Et du coup, en fait, ce qu'elle m'a dit, oui, en fait, j'aimerais bien qu'au moins on me soulage avec un cadeau, avec un cadeau genre animal de compagnie. Et voilà, la consultation s'est arrêtée à ce niveau-là. Et ben, une semaine après, elle m'a dit, madame, on m'a pas offert un cadeau, mais j'étais chercher un chien. J'ai cherché un chien, et le chien, justement, le vendeur, en fait, le vendeur de ce chien, il m'a fait un prix assez cher. Alors, j'ai quand même insisté sur le chien, et le vendeur, il m'a fait un prix.
Donc voilà, il m'a en quelque sorte, il me l'a offert. Et en plus de ça, j'ai fini par tomber amoureuse du vendeur du chien. Donc elle est tombée amoureuse du Décidément, vendeur mais du quelle chien. histoire! C'est pas fini. En Mais fait, elle est tombée je suis amoureuse du tout vendeur du ouïe. chien. Elle est tombée amoureuse du vendeur du chien parce que voilà, il a vu à quel point elle voulait avoir ce chien-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand ils se sont mis ensemble, eh ben le chien, il a trouvé le chat. Ah Oui, ben il a voilà, trouvé le chat. c'était toute la famille, Oui, là, tout le le monde s'est mis ensemble. chat. Bah oui, je vous assure, C'est vrai que elle m'a c'est pas appelée pour banal, me hein. dire comment? Je dis, c'est vrai que c'est pas banal, votre histoire. Eh ben, elle n'est pas banale, moi aussi elle m'a marquée et du coup voilà, en fait je vous raconte telle qu'elle est. Voilà. Donc je ne sais pas si vous allez la prendre comme une anecdote, hein, mais c'était vraiment très spécial. J'ai aimé l'histoire. Et pourtant j'étais ferme avec elle, hein, j'étais ferme avec elle. Et elle m'est revenue en me disant j'ai aimé la façon avec laquelle vous avez répondu, même si vous n'avez pas voulu répondre. Mais je tiens à vous dire que votre prédiction, eh ben, elle s'est transformée en une belle histoire d'amour. Mais en plus de ça, derrière cette histoire d'amour, il y a des changements très très particuliers. Et voilà, vous savez ce qui s'est passé. Donc c'était ça, en fait, l'anecdote, Nino. Voilà, c'est Comment super. vous l'avez trouvé? Très bien, franchement, c'est pas courant. Donc, on peut raconter des anecdotes, mais voilà, des petites anecdotes. Oui, j'ai dit que son ex allait revenir, des choses comme ça. Ça, oui, on peut le dire aussi, mais j'avoue que ce que vous venez d'expliquer, c'est spécial, c'est pas banal et ça vous valorise parce que vous aviez raison. Donc, voilà. Et alors, nos téléspectateurs sont pendus bien sûr à vos lèvres et donc, comment peuvent-ils faire pour vous Mais je joindre? crains demain avoir des questions. Demain, je crains avoir des questions. Sur Il est les mon chat ou il est animaux, mon ça. Moi aussi, Oui, un mais jour en en tout cas, direct, j'ai moi, fait tous les ça à clients l'antenne sont les et bienvenus. oui. Et vous êtes donc voilà. Moi, je fais le client. C'est pour tous nos téléspectateurs. Donc voilà, je suis un client. Je vois que vous êtes connecté en vert. Je veux vous appeler. Vers quelle heure puis-je le faire? Eh ben, mes horaires, ils Dites-moi. sont variables. Enfin, mais la plupart du temps, voilà, en tant qu'une, on va dire, une responsable d'un foyer, je suis la plupart du temps chez moi. Donc, vous pouvez me trouver pratiquement dans des horaires un peu variés dans la journée. Genre 9h, midi, après pause-déj, reprise 15h, 18h, après reprise vers 19h30, 20h, et ça sera même jusqu'à minuit, quoi. D'accord, c'est très bien. Donc, et ce soir, par exemple, me mets toujours dans la peau, d'un téléspectateur. J'ai envie de vous joindre et donc vous serez connecté jusque quelle heure? Alors, tout simplement, pour me joindre, il suffit de choisir le code 768 Olivia, hein, et je Oui, suis en appuyant sur la aujourd'hui touche jusqu'à 2. minuit. Et vous serez là Oui. jusqu'à minuit. Eh bien, je ne Oui, manquerai oui. pas de le rappeler en cours d'émission. Comme ça, si des personnes veulent vous joindre, eh bien, voilà. Mais à mon avis, c'est vrai que Eh vous allez ben. avoir des personnes qui vont vous demander pour les animer. À mon avis, vous allez développer Oui. peut-être ce don pour les animaux. Voilà. Oui, Je ne sais pas ça si vous fera voulez un plaisir rajouter de quelque recevoir tous chose. les clients. Pardon? Donc voilà. Je dis, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
je suis très contente d'être parmi, d'être, on va dire, dans l'équipe de Parlez-moi d'avenir. C'est une équipe très géniale, enfin géniale tout court. Je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est une équipe c'est une équipe top, top du top, dans le sens où je me sens à l'aise et franchement, surtout quand je parle à Lolita ou Nino, voilà, en fait, ils sont adorables, adorables, franchement. Quand vous parlez à Nino, c'est normal, ça. Donc, mais voilà. Mais j'ai été Bien, ravi, donc peut-être vous vraiment. m'avez toujours accueilli avec beaucoup de chaleur. Vous Mais m'avez toujours accueilli, vous je m'avez vous aidé, apprécie beaucoup, mais assisté, voilà. c'est pas une blague. Comment je suis très très content que vous avez pu passer avec quelqu'un d'autre à l'antenne. Mais je suis très content que c'est avec moi que vous êtes passé. Mais bien sûr, quand Merci. vous voulez, avec plaisir. C'est le plaisir, il est à moi, Nino. Plaisir partagé. Donc en tout cas, si nos téléspectateurs veulent vous joindre dès maintenant, si vous êtes en vert, quand on va raccrocher, ils peuvent le faire donc au 768. Et donc, je vais tout rappeler, hein. Il faut faire le 0901 901 993. Ensuite, vous regardez si Olivia est connectée, mais elle le sera ce soir. Si elle est bien en vert, son code, c'est le Oui. 768. Donc, quand on appuie sur la touche numéro 2, il y a une voix automatique qui demande qu'on introduise les trois chiffres du code PIN et vous introduisez 768. Et voilà, vous êtes en contact avec Olivia 768, voilà. et je suis sûr que Olivia pourra vous en apprendre beaucoup sur votre chemin de vie. En tout cas, j'ai été ravi vraiment d'être avec vous, Olivia, et vous revenez quand vous voulez avec moi dans l'émission, il n'y a pas de problème. Bah, il n'y a pas de souci, je serai tout le temps là pour vous joindre et vous parler de temps à autre. C'est vraiment un plaisir et je vous remercie et je vous souhaite une très belle et excellente soirée. Très belle soirée à vous aussi. À bientôt. À vous aussi, à très bientôt. Merci. Voilà les amis, hein, donc il y a certains voyants, certaines voyantes, évidemment, tout le monde ne passe pas à l'antenne, hein, mais là, donc, Olivia, que vous retrouvez connectée parmi tous nos amis en bas, sur le code 763, si je dis pas de bêtises, donc voilà, vous pouvez joindre Olivia si vous la voyez encadrée en vert. Si vous la voyez encadrée en orange, voilà, il faudra attendre parce qu'elle est occupée, il faudra attendre qu'elle revienne en vert. Et donc là, comme je l'ai dit, hein, c'est la touche numéro 2. Voilà. Alors, avec ce fameux Dr. Walker ce bracelet de cuivre de haute qualité, avec 6 aimants de 3 500 gausses qu'on retrouve à l'écran. Avant de continuer, je vais dire comment se le procurer si vous le souhaitez. Donc, vous allez sur notre site www.parlezmoidavenir.shop et là, vous avez la possibilité de le trouver. Soit vous notez bracelet ajustable en cuivre, etc. Ou soit, je pense qu'il est encore sur la première page de notre shop. Donc, vous ne pouvez pas le louper. Donc, il est au prix de 35 francs. Mais avec toutes les vertus qu'il a, voilà, c'est un prix quand même assez démocratique. Si vous voulez connaître les frais de port, par exemple, ou que vous avez des questions tout simplement sur ce bracelet, vous pouvez le commander aussi par téléphone, donc pour avoir quelqu'un en ligne du lundi au vendredi pendant les heures de bureau. Vous appelez le 021 694 2400
Et là, une charmante personne qui s'occupe de notre shop, notre boutique ésotérique en ligne, eh bien, vous pouvez donc lui poser toutes les questions que vous souhaitez, que ce soit sur ce bracelet ou sur un autre article que vous avez vu. Et donc, elle vous dira les frais de port et tout ce qui s'ensuit. Les numéros de carte bleue pour commander, le site est 100% sécurisé, donc vous n'avez aucun souci avec votre carte bleue. Ne soyez pas inquiet, donnez votre numéro de carte bleue et voilà, c'est 100% sécurisé. Je n'ai jamais entendu, depuis le temps que je suis ici, jamais entendu quelque chose de négatif par rapport au site. Donc c'est bien surveillé, c'est très bien fait. Donc n'hésitez pas. Alors, on continue avec ce bracelet, hein, toujours sur votre écran. Alors, voici donc ce que je disais. Voici ce que le docteur Walker disait au sujet des bracelets de cuivre. Donc, je m'intéresse aux bracelets de cuivre depuis 1974, date à laquelle un article dans un journal australien fit état de 157 rhumatisants, déclarant que le bracelet de cuivre avait soulagé leur douleur. Cet article fit grand bruit en Australie, mais souleva des réticences parmi ses amis médecins. J'entrepris ma propre étude publiant une lettre dans plusieurs. Excusez-moi, il fait très chaud et ma gorge toujours enrouée. Santé. Lire, c'est pas que je ne sais pas lire, c'est que je m'embrouille. Voilà, donc cet article fit grand bruit en Australie, mais souleva des réticences parmi donc ses amis médecins. Il entreprit une étude personnelle, publiant donc une lettre dans plusieurs revues australiennes, demandant la coopération de personnes ayant de l'arthrose. Et donc, il y a plus de 300 personnes qui ont répondu oui et qui ont reçu ce bracelet expérimental afin de déterminer quelle pouvait être l'incidence du port d'un bracelet de cuivre sur leur affection. Les personnes furent convoquées à l'hôpital royal de Newcastle et divisées en deux groupes, certains portant un bracelet placebo. Donc, le bracelet placebo, c'est un bracelet qui ressemble, on croit que c'est le bracelet en cuivre, mais ça ne l'est pas du tout, c'est du toc, comme on dit chez nous. Et donc, là, on l'occurrence, le bracelet placebo était en aluminium, ayant l'apparence du cuivre, et donc les personnes ne se sont pas rendues compte que c'était un bracelet placebo, et d'autres ont eu un vrai bracelet de cuivre. Donc l'étude révéla la supériorité du bracelet de cuivre sur le bracelet placebo. Les bracelets de cuivre utilisés ayant donc été pesés avant leur utilisation et au terme du test, on nota une perte de poids de 23 mg par mois en moyenne pour chaque bracelet de cuivre. Les analyses de sueur montrèrent la présence de cuivre dans celles des sujets portant un bracelet, prouvant que le cuivre pénètre bien à travers la peau. Notre étude démontra que le cuivre du bracelet perfusé à travers la peau pour pénétrer dans l'organisme. Une personne souffrant d'arthrose peut être comparée à un naufragé mourant de soif. Le naufragé a besoin d'eau et la personne souffrant d'arthrose a besoin de cuivre. Voici donc ce que le docteur Walker a dit de l'université de Newcastle en Australie. Alors, au sommet de sa qualité, notre bracelet est confectionné dans un cuivre très pur pour une plus grande efficacité, mais ce n'est pas du tout, d'après les spécialistes, un aimant intégré dans le bracelet influencerait le flux énergétique dans le corps et aiderait à
réaligner les champs magnétiques pour ainsi stimuler la circulation sanguine et réduire la douleur. Voilà. Alors, lorsqu'on parle d'aimants avec une certaine quantité de gausses, comme par exemple mon bracelet de 3500 gausses, on parle de la force du champ magnétique généré donc, par les aimants et pour indiquer leur puissance. Plus le nombre de gausses est élevé, plus le champ magnétique est fort. Par exemple, nos bracelets vérifiés et mesurés à 3500 gausses sont considérés comme relativement puissants en comparaison avec d'autres aimants. Le cuivre étant souple et très malléable, vous pouvez ajuster ce bracelet à la taille de votre poignet par un contact sur votre peau. Donc, ça vaut vraiment la peine. Alors, je vais expliquer aussi le temps d'avoir le premier appel de la soirée. Comment utiliser ce bracelet de cuivre? Alors, ajustez le bracelet au poignet pour que le cuivre puisse être en contact avec votre peau et éventuellement en contact avec vos veines qui sont également un bon vecteur par lequel le cuivre sera transmis à l'organisme. Alors, là où le cuivre est en contact avec l'épiderme, vous aurez peut-être une décoloration ou l'apparition d'une coloration bleu-vert. Continuez à porter votre bracelet car ces traces disparaîtront au bout de quelques jours et elles seront le signe que la transmission du cuivre a bien eu lieu dans votre organisme. Alors, donc, pour porter, porter un bracelet en cuivre est une bonne solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre et pour soulager les douleurs articulaires. Donc, voilà. Si vous en avez, n'hésitez pas à aller voir et pourquoi pas commander ce bracelet. Donc, parce qu'il soulage donc les douleurs articulaires dues aux inflammations. Il améliore la circulation sanguine et pour le bien-être en général, notamment une meilleure qualité du sommeil, ça c'est intéressant aussi, et une réduction du stress qui est très intéressante. Voilà. Donc, vous l'avez sur votre écran, je rappelle, pour commander, donc www.parlezmoidavenir.shop. Là, vous pouvez mettre votre numéro de carte bleue, il n'y a aucun problème, le site est bien sécurisé, ou vous pouvez le commander via le 021-694-24-00. Et là, vous aurez la possibilité d'avoir une charmante personne qui pourra même vous en dire plus sur ce bracelet. Pour les médias, on va se quitter quelques instants pour la page de publicité. N'hésitez pas, par exemple, à envoyer un petit SMS TVM3 au 700 et peut-être après la publicité, eh bien, vous arriverez ici à mes côtés. Je vous dis à tout de suite. De retour, voilà, les amis, vous savez, moi je parle toujours avec la régie, avec tout le monde qui est ici en plateau, donc quand on a dit antenne, ben voilà, c'était trop tard, c'est pas grave, on est en direct, on a droit à des petites erreurs, hein. Sinon ça ne fait pas le charme du direct, je dirais. Voilà, donc je disais avant la publicité que pour arriver à l'antenne, donc vous pouvez donc composer le 0901 901 993 et là donc vous avez la possibilité d'être avec la touche numéro 1, d'être en contact directement ici avec le studio. Si vous souhaitez contacter Olivia par exemple qui s'est présentée tout à l'heure, ainsi que tous nos amis qui sont là en bas de votre écran, eh bien, vous notez bien leur code PIN quand vous appuyez sur la touche numéro 2
Et vous verrez que vous pouvez avoir une petite consultation privée. Ça ne passe pas par la télévision, donc c'est vraiment avec nos amis en bas et voilà, vous êtes en tête à tête avec eux. Et si vous en avez déjà consulté plusieurs et que voilà, des nouveaux et des nouvelles dans l'équipe, vous avez envie d'avoir peut-être voilà, un autre avis, de choisir quelqu'un d'autre sans savoir vraiment qui, eh bien vous faites le petit chiffre porte-bonheur, le chiffre 3, et vous verrez que vous aurez quelqu'un et que ça va bien se passer. Ça, j'en suis absolument certain. Dans votre chemin de vie. Alors, je vais rappeler également notre concours SMS. Faites-le, il n'y en a pas beaucoup en ce moment et ça n'arrive pas qu'aux autres parce que souvent, quand vous téléphonez, quand on vous téléphone et qu'on vous transmet, on vous transfère plutôt à côté de moi, eh bien, voilà, vous dites j'ai gagné le concours SMS, donc ça me fait plaisir, évidemment. Donc, vous prenez votre Natel, votre portable, vous tapez le code TVM3, TVM avec le chiffre 3, que vous envoyez au 700. Et donc, voilà, ça va rester dans notre ordinateur, ici en régie. Et de façon aléatoire, l'ordinateur va tirer des numéros de téléphone. Donc, vous pouvez passer dans 10 minutes comme dans une demi-heure. Donc, n'hésitez pas, TVM3 au 700 pour un franc symbolique. Donc, ça vaut vraiment la peine de gagner cette mini-consultation. Voilà. Et on va réouvrir donc les portes du shop. Et de quoi je vais vous parler? Parce que j'ai tellement de choses à vous parler que pourquoi pas. Voilà, commencer au moins le bracelet en cuivre, 3500 gousses, hein, que vous retrouvez sur notre shop. Et également le sous-verre fleur de vie en bois de bouleau. Et il se compose de deux pièces. Alors, moi j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, l'arbre de vie. Donc, si c'est très joli. Cette fleur de vie est découpée au laser dans du bouleau contreplaqué pour une extrême précision géométrique du nombre d'or. C'est la géométrie sacrée et divine par excellence. Elle est tirée de l'univers. Le dessin de la fleur de vie est représenté dans une grande partie du monde et l'Égypte. De l'Égypte à l'Orient depuis des millénaires. Apposé dans une pièce, ce symbole de la fleur de vie, l'arbre de vie, vous invite à l'intégration à la vie terrestre et spirituelle. Ce symbole vous fait réfléchir à la plénitude, au bonheur, à la chance et l'amour. La fleur de vie favorise toutes les entreprises et la confiance en soi. Je fais une petite croix puisque on continuera à en parler juste après notre premier appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, c'est Véronique. Mais comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Je vous vois en face de Mais moi, ça ça va. va très bien. Ah, mais moi Super. aussi. Ça va Ouais, très ça me bien fait plaisir. Je aussi. vois toujours vos beaux yeux bleus. Vous êtes très sympathique. Ah. Ouais. Merci. Alors, attendez, je vous appelle tout à Alors, l'heure, j'aime bien, j'ai dit Nino, il a des beaux yeux, c'est vrai? Vous êtes charmant, vous le dites. mais je vous en remercie Très infiniment, ça sympa, me il est touche. joli, il a des beaux yeux bleus, c'est vrai, c'est gentil. Alors, écoutez, j'aurais quelques. Ouais, je vois vos beaux yeux en face, vous avez des beaux yeux bleus, c'est vrai, j'aime bien. Voilà, je regarde, ça fait clic dans mes yeux bras. Ouais, ça se plaisante un petit peu. Un petit peu. Alors écoutez, je vous Dites-moi. appelle pour quelques petits soucis. Alors, la première question, c'est toujours concernant ma situation financière. D'accord? Alors, on va regarder. Ouais, donc je vous Donc ai vous expliqué êtes que la j'ai pas de petits personne, soucis.
Hein? Ouais, vous êtes la personne née en 65, hein, c'est ça, hein? Ouais, oui, tout à fait. Alors, regarder. Il y a quelque chose C'est qui vous difficile. turlupine, hein. C'est Pardon? avec les finances. Je dis quelque chose vous turlupine, hein. C'est avec les finances, ça. Oui, beaucoup. C'est qu'en fait, il y a deux choses. Donc, la première situation, c'est qu'en fait, je suis au service social, puis la situation est vraiment difficile. Et puis, en fait, ben, si vous voulez, il y a eu donc un décompte de chauffage qui a été encore redéduit, parce qu'il faut que déduire. Et puis, mercredi, jeudi passé, ben, j'ai un peu sauté les plombs dans le bureau de mon assistante sociale. J'ai déchiré un papier, puis après, je l'ai rappelé pour m'excuser. Puis, en fait, je sens qu'il y a toujours des contrariétés, des choses. Et puis, j'avais essayé de trouver un petit travail pour la compagnie de personnes âgées. Puis, en fait, il n'y a absolument aucune porte qui s'ouvre. Puis, j'ai une usure un peu psychologique par rapport à. Il n'y a pas que ça, hein, mais ça, c'est déjà un des problèmes de base. Toutes ces limitations financières qui durent maintenant depuis 7-8 ans, depuis que Jean-Pierre est décédé, enfin, avec les conséquences de ce décès, voilà quoi. Je vois que ça ne se débloque pas du tout. Je prends de temps en temps un petit billet de loterie pour gagner 200-300 francs. Après, il y a d'autres problèmes, hein. Mais le premier gros problème, il est financier, mais il y en a deux, trois autres que je vous expliquerai après. Et je n'arrive pas à arrondir mes fins de mois. Puis je suis quand même fatiguée, quoi. Il y a une usure psychologique de cette histoire, Mais quoi. c'est Enfin, j'ai passé normal, des mois à hein. rien. Moi, dans ce que je ressens, voilà, moi, on me dit vos énergies ne sont pas au top parce que, voilà, dans votre tête, il y a beaucoup de choses qui tournent, mais vous ne prenez pas assez de recul, je pense, pour certaines choses. Et à un moment donné, voilà, on n'en peut plus, quoi. Et là, vous êtes arrivé dans Exactement. une période où c'est compliqué pour vous. Mais vous Ouais, allez vous c'est. dépatouiller, comme on dit chez nous, de tout ça. Je vais regarder plus précisément. Mais pour moi, oui, hein, vous allez vraiment voilà, vous dépatouiller, comme on dit chez nous. En fait, ce qui est difficile, c'est d'accepter que je dois vivre avec le minimum vital. Puis c'est ça qui est difficile d'accepter. Et puis mon assistante sociale m'a dit à la retraite, vous aurez un petit peu plus, mais il y a encore 3-4 ans, vous voyez. En fait, il me mettrait à Oui, j'ai 63. compris. Donc c'est clair que c'est difficile, puis il y a pas mal de culpabilité par rapport au passé où j'avais beaucoup d'argent qui a été mal géré. Et toutes les conséquences qui en découlent dans ma vie de tous les jours, il y a énormément de conséquences, quoi. Il y a un Il n'y a pas que homme, ça. moi, parce que dans les cartes, on parle d'un homme. Il y a un homme qui a marqué quelque chose dans votre vie. Oui, un homme, oui, c'était, il y a eu plusieurs hommes, il y a eu beaucoup d'hommes, mais le dernier homme que j'ai aimé, il s'appelait Georges, et c'est un homme qui a marqué ma vie, il y a eu beaucoup d'hommes. Il y a eu beaucoup de ruptures sentimentales, il y a eu beaucoup de choses, mais le dernier homme qui a compté beaucoup pour moi, c'était quelqu'un de connu, c'était un chef de clinique de la région hallémanique, mais il Ça s'appelait Georges, montre et cet même homme, il n'est pas à sorti. l'antenne. Et il n'est pas sorti de mon cœur, et depuis 14 ans, je suis restée seule. Et cet homme, je l'aime toujours, voilà. C'est ça Ah, on voit qu'il y que a un. l'homme. Oui, l'homme apparaît dans les cartes, je montre à l'écran. Oui. Et moi, je dirais que vous allez avoir des nouvelles, hein, de cet homme. Hein. C'est vrai parce que cet homme, moi j'ai eu plusieurs hommes, il y en a un autre, son prénom ça commence par D, je sais pas. Mais Georges a été quelqu'un d'extrêmement important, puis c'était ben, c'était un roi pour moi. Et j'ai pas fermé vraiment cette porte en fait. Puis je regarde souvent sur Internet et tout, puis j'ai. Mais je ne peux pas le joindre, l'espace, c'est. Voilà, il a. Puis disons, j'ai bloqué un petit peu par rapport à cette dernière relation et je suis restée seule, oui, depuis 14 ans. Alors est-ce que c'est ça? Il y a un homme, mais on ne sait pas qui c'est, parce qu'il est marié, hein, c'est quelqu'un de connu, donc voilà. Bon. Alors est-ce que c'est Oui, lui qui je sort? comprends bien. Je ne sais pas, est-ce qu'il me Mais regardait? Je ne sais pas. on peut regarder, hein, je vais poser cette question-là. Je peux vous donner sa date de naissance, juste simplement, il est du 19 mars Si vous 1948. voulez. Et donc, vous me parlez d'un Georges. Oui. Je reste pour rien dire parce que c'est quelqu'un de connu, mais.
Voilà. Oui. Il n'écoute pas de leurs émissions, je pense pas. On est discret. Et puis lui, je ne sais pas qui il écoute ça. Il était dans le médical, donc je ne pense pas que ça l'intéresse beaucoup. Oh, ah, vous seriez étonné. Il y a beaucoup d'infirmières ou de docteurs qui regardent. Non, je ne crois pas tous à 100%, mais il y en a qui s'intéressent. Oui, ouais, c'est possible. On n'a jamais parlé de ça quand j'étais avec lui. Enfin, quand j'étais une petite amie, on m'a dit ça. Regardez les cartes. Il y a une belle élévation sur l'amour, et c'est de lui qu'on parle, hein, parce que la question que j'ai posée aux cartes, ben oui, c'est lui. Mais je l'ai montré à l'écran. Moi, je pense que c'est lui. Hein. Ah ouais? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il ferait? Il rappellerait? Je sais pas. Oh là là. Alors... pas comment gérer, là. Hein? En tous les cas, moi, je vois que il va vous relancer. Alors, c'est pas non plus tout de suite dire des choses, je t'aime. Non. Ah, il l'a jamais dit, ça, c'est pas parce qu'il l'était pas. Il va pas le dire. Il va tout doucement vous redonner des nouvelles et vous allez voir que ça va. Moi, ça va bien jouer et vous allez pouvoir aller prendre un verre, discuter. Et moi, je ne dirais pas non. Non, je ne vais pas jouer pour la vie, hein, mais vous avez encore quelque chose à vivre avec lui, c'est vrai ? Oui. Ah ouais ? Mais oui, puisque il m'avait donné sa date de naissance, son prénom. Et par rapport aux cartes, il faut que je mette son énergie et la vôtre, on va dire, dans les cartes. Que j'ai fait, donc c'est de lui qu'on parle. Si vous m'aviez dit un autre prénom, une autre date de naissance, non, alors c'est pas de lui, mais là c'est pour moi, c'est bien lui. À moi, ça fait combien de temps que vous n'avez pas de nouvelles? 14 ans. 14 ans que vous n'avez pas de nouvelles de lui? Non, c'est lui, c'est à dire, il me l'avait arrêté. Moi, j'ai été le rechercher, puis après, c'était compliqué. Puis moi, je lui ai bien dit, si tu me liquides avec un gros mot comme une M, eh bien, je resterai seule jusqu'à la fin de mes jours, puis c'est ce que j'ai fait. Et je me suis souvent dit, il ne s'imagine pas le truc comme ça. Et je l'ai fait. Et puis, il m'avait dit, Véro, tu ne fais pas ça, je ne peux pas t'apporter d'avenir, ne ferme pas la porte de ton cœur. Et je lui ai dit, oui, je le ferai. Après, j'ai été le rechercher. Puis il est revenu, puis j'ai senti qu'entre lui et moi, il y avait quelque chose de cassé. Et puis, puis je suis restée un peu blessée. Et puis, j'ai fermé mon cœur, tout à fait. J'ai vécu comme ça, puis ma foi, tant pis, quoi. Oui, je comprends. Et ici, dans ce que je vois, je dirais que, et ça arrive souvent, hein, parfois, un amour de jeunesse revient, Bon, il n'est pas jeune, non plus. Puis, vous savez, il est marié. Enfin, ouais, je ne sais pas s'il est toujours avec sa famille. Enfin, ils ne vivaient pas ensemble. C'est assez compliqué comme relation. Mais bon, il a quand même un certain âge aussi. Donc, ouais, ça ne pourrait peut-être pas être non plus sur du long terme, vu son âge. Oui, je comprends bien ce que vous voulez dire. Des fois, vous savez, le réchauffer, c'est peut-être pas non plus très, très bien. Parfois, on dit qu'il vaut mieux passer à autre chose. Enfin, je ne sais pas s'il y a quelque chose à vivre entre lui et moi. Pas. J'aurais peur qu'il ait peur de ma situation financière, parce que c'est quelqu'un qui avait une bonne situation, mais il n'aimait pas le fait que je travaille pas. Alors je sais que cette situation pourrait peut-être lui faire un peu peur, ne pas lui plaire, parce que ça lui plaisait pas. Hein. C'est pas. Oui. C'est pas où il en est là maintenant. Voilà. Et puis, 14 ans plus tard, je ne dis pas qu'on a changé à 100%, mais 14 ans, ça représente quand même quelque chose. Donc, pour moi, il a pu avancer, il a pu dans des choses qu'il voulait faire. Il a fait un peu le tour de ce qu'il voulait. Et moi, je ressens des aspects positifs. Hein. Donc, moi, je dirais que effectivement, il revient en amitié, on discute un peu. Et puis on va
on peut aller vers quelque chose de plus concret. C'est juste un peu dommage qu'il est marié. Enfin, il était marié, il ne vivait pas avec son épouse, elle vivait dans un autre canton. C'est que j'aurais peut-être voulu un homme libre par rapport à ma conscience, c'est ce que je lui avais dit aussi. Tu as une femme et puis il m'avait dit, écoute, commence pas avec ta morale, je ne vis pas avec et ne mélange pas tout. Et je lui avais dit non, mais j'ai pas toujours envie de culpabiliser par rapport à un homme marié. Je lui avais dit ça, puis ça lui avait pas plu. Ce qui était vrai. Je comprends. Donc j'avais aussi réalisé qu'on ne peut pas survivre de l'illégalité, puis c'est ce que je lui avais dit. Je ne sais pas où elle est son épouse, elle était âgée maintenant, je ne sais pas. Parce qu'elle est toujours là, ils ne vivaient pas ensemble. Bon, là, il y avait quelqu'un qui avait un très gros poste, mais il ne vivait pas dans la même région. Mais je ne sais pas du tout où il en est en 14 ans, je ne sais pas. C'est qu'il avait eu des problèmes de santé. Oui, je comprends. Je comprends bien. Donc on verra, je ne sais pas, peut-être qu'il pourrait m'appeler, alors que ça me surprend, ça, mais je ne sais pas. Mais parfois, voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes ou j'ai un ressenti particulier. Mais en tout cas, pour vous, vous avez parlé de cet homme et directement les cartes sont toutes tombées en parlant de cet homme et en positif. L'élévation avec l'amour, c'est une relation amoureuse. Donc, ah ben, ça a été l'homme de Marie. Moi, il m'aurait demandé de l'épouser, je l'épouse maintenant, pas. C'est tout. Mais c'est comme ça, c'est la vie, ça se compte. Jamais ça, pu vous commander. Je ne peux pas vous le promettre, hein, mais je ne vais pas vous promettre qu'il va vous épouser. Mais en tous les cas, vous avez encore quelque chose, une belle histoire à vivre ensemble. Ah bon, ça serait merveilleux. Ben, j'espère que je peux poser une, deux, trois questions encore, ou bien. Bien sûr, parce que j'ai d'autres prénoms si je vois là. Donc, dites-moi. Alors maintenant, voilà, mais c'est gentil, Nino. Alors, deuxième question, c'est que ma maman, elle a quelques soucis de santé. Je sais qu'on n'ose pas parler de santé et d'énergie. Elle m'a un petit peu fait, un petit peu peur aujourd'hui. J'ai eu un petit choc, en fait. C'est-à-dire qu'elle a eu un cancer du sein, d'accord? Elle a été opérée, puis là, j'ai vu que la cicatrice se refermait pas très bien. Puis elle m'a appelé aujourd'hui. Puis elle m'a dit, Véro, écoute, est-ce que tu es en ville à Neuchâtel? J'ai dit non, je suis à la maison. Elle est venue, elle m'a un petit peu montré, c'est une petite cicatrice, mais en fait, ben, ils ne peuvent pas faire des rayons par rapport à ça. Puis disons, moi, au fond de moi, je me dis, bon, voilà, elle a 81 ans, on lui donne 10-15 ans de moins, voilà. Mais vivons ce qu'on a à vivre, parce qu'on n'en a peut-être pas pour longtemps, mais je ne lui ai pas dit, mais c'est comme ça que j'ai ressenti les choses, et puis voilà, quoi. Parce qu'elle m'a un petit peu inquiétée, mais on a eu beaucoup, beaucoup d'années où on ne s'entendait pas. Parce que je sortais avec des hommes mariés, puis voilà, quoi. Puis maintenant, ben, la relation va mieux, puis j'ai voulu... Elle m'a montré ça, puis c'est vrai que ça fait comme un tout petit trou. Puis elle m'a dit, tu vois, Véro, je suis un petit peu embêtée. Puis elle a minimisé, puis moi aussi, j'ai joué le jeu, puis j'ai mis un message. Maintenant, tu sais, maman, voilà, ça va aller, et puis voilà. J'ai un petit peu l'impression qu'on va quand même ben, gentiment vers une fin, quoi. Mais pas une mort horrible et tout ça, mais que voilà, ma maman, elle vit sa vie, puis que... Elle arrive un petit peu gentiment à la fin de sa vie. Moi, je le ressens comme ça, quoi. Qu'elle va pas forcément vouloir faire un tas de traitements. Moi, je ne le ferai pas non plus. Puis que... Enfin, voilà. J'ai pas l'impression que ça va aller vers du mieux, quoi. Voilà. Je m'excuse. Elle va pas le montrer, deux mais... Oui. Je m'excuse 2 minutes à vous et téléspectateurs. Mais je tremble. J'ai souvent des chutes de tension. Donc, il faut que je mette un petit morceau de sucre. Voilà, oui, il faut faire attention. Moi, j'ai aussi ça. Il faut prendre des sucres de raisin ou du sucre. Puis ça, ouais, moi aussi, j'ai la tension en bas. Et ça va aller après. Ouais, mais il faut manger salé ou sucré. Moi, j'ai aussi. Ouais. Voilà. Voilà, j'ai pris ma tasse de toi. Dites-moi, ça n'altère pas mes dons. Hein, mais je sens que je transpire plus. Et que je vais me tenir. Hein, parce que sinon, je tombe. Mais non, avec le sucre, ça va aller mieux. Donc, allez-y gentiment, ça. Ou bien des sucres de raisin, ça va bien, moi j'en ai aussi. D'accord. Et donc, quelle est finalement votre question? Parce que comme j'étais un peu perturbée, inquiète, dites-moi. Ouais, disons que j'ai été assez surprise de ce téléphone, assez soudain, que je ne m'y attendais pas non plus. Écoute, Véro, est-ce que je peux venir te voir et tout? J'ai dit oui, bah là tu me prends un peu au dépourvu, mais bien. Puis quand elle m'a montré un petit peu, c'est comme un tout petit trou. Qu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire de rayon, elle a encore une très belle peau. Je me suis dit, oula, elle est encore magnifique, ma maman. Ouais.
En fait, j'ai trouvé ça assez triste parce que j'ai senti au fond de moi que, enfin, que c'est une maman qui n'allait pas vivre très longtemps. Mais voilà, mais j'essaye de dédramatiser, puis elle aussi, mais je le ressens comme ça. Attention que on ne peut pas parler de santé, hein. Non, je Ni de sais, jeux ouais. vidéo, Enfin, je voilà quoi. précise, hein. Ouais, sinon, on parle Mais d'autre vous chose, ne ça me posez pas une question précise. Si vous ne me ben posez non, pas une parce qu'on ne peut question pas parler de précise, santé. je sais. Ah non, il faut poser une autre question précise, mais qui ne touche pas à la santé. Alors là, non, alors on parle d'autre chose. Ça, on peut parler d'autre chose, c'est pas grave. Non, là, on laisse parce que là, on va, c'est bon, on peut tourner, je peux parler d'autre chose. Maintenant, concernant ma sœur, Oui, donc Solange, que je suis bien votre sœur née en 73. exactement, du 22 août 1973. Donc, elle a un souci parce qu'elle a une petite dépendance à l'alcool puis un petit peu au cannabis, d'accord? Voilà. Puis son ami Laurent, il aimerait qu'elle fasse une désintoxication. Puis elle est pas trop envie, quoi. Puis maintenant, ben apparemment, il y a un petit souci de santé. Est-ce qu'elle ferait cette désintoxication? Parce qu'elle n'est pas tellement motivée, Solange. Donc je lui ai dit, si t'as pas envie, ça ne sert à rien en fait. Voilà. Mais je vais répondre globalement parce que Oui. c'est toujours, ça a toujours rapport un petit peu quand même avec la santé, hein. Oh ben ça, on parle d'autres, il y a toujours d'autres sujets. Si ça va pas, moi c'est pas grave parce que je réglerai ça avec elle, il n'y a pas de souci. Si on peut pas, ben tant pis. De toute façon, c'est elle qui prend sa décision de parce qu'il faut dire de si elle veut faire une désintoxication, puis ça c'est elle qui prendra la décision. Vous voyez ce que je Mais veux dire? c'est une désintoxication, ce sont des médicaments qu'elle prend. Je sais pas. Pour le moment, elle prend rien. Elle boit ses. Pas. Moi, disons, alors est-ce que notre relation s'améliorerait? Voilà, notre relation entre Solange et moi. Elle était très Ça. difficile pendant très longtemps. Eh bien voilà, il y a la naissance, donc évidemment, ce n'est pas la naissance d'un enfant. Mais il y a la naissance avec la belle réussite que je vous montre à l'écran. Donc ça veut dire une renaissance avec elle. Et Ouais. sur cette renaissance, voilà, vous allez recommencer à bien parler. Et sur cette renaissance, eh bien, vous avez la belle réussite, comme vous voyez à l'écran. Et moi, c'est quelque chose de très positif, hein. Ouais, parce qu'on a beaucoup parlé effectivement après 9 mois, c'est elle qui m'a rappelé. Puis on a abordé des sujets de vie, quoi, des sujets de voilà, importants. Puis ben, j'ai dit, tu sais que la porte est toujours ouverte. Et puis ben voilà quoi, apparemment c'était assez positif, quoi. Eh bien, Ça pourrait écoutez, quand même. encore avec une femme clé de réussite, et comme c'est de ça qu'on parle, pour moi c'est votre sœur, hein. Donc Ouais, les ben alors non. choses vont s'améliorer. Ça c'est bien. Ouais. Oui, Ah, pour moi j'ai les là choses à côté s'améliorent. la carte, je sais pas ce que c'est, la carte à droite, c'est quoi? Ah, je l'ai enlevé. C'était comment, la clé de réussite avec une dame? Ouais, je voyais la Qu'est-ce clé qui là après là, s'était. je voyais pas bien si c'était une dame ou un homme, je voyais un visage, mais je voyais pas trop ce que c'était en fait, Ça? hein. Si c'était une dame ou un monsieur, une dame. Là, normalement, ça doit apparaître. Bon, il y a une petite quarantaine de secondes de décalage. Mais là, normalement, vous devez voir sur votre écran la clé de réussite avec la femme à côté. Oui, voilà, la clé, je la vois, puis à gauche, j'avais de la peine à définir si c'était une femme ou un homme à cause de la coupe de cheveux, en fait. Il n'y a pas des longs cheveux, c'est court. On voit un Oui. personnage, mais on ne peut pas bien Mais définir si c'est un homme. c'est écrit, hein, c'est écrit femme, hein. Donc là, vous voyez bien. Et donc, Ça, c'est comme un c'est Z, pour comme un moi. trait. Oui, mais comme voilà, on a parlé de votre sœur et que Ouais. les cartes tombent justement comme ça, pour moi, c'est. Ça, je veux dire, ça va bien jouer avec votre sœur, quoi. Ça va. Il y a des choses qui vont revenir, qui avaient disparu, et vous aurez envie de plus vous voir. Donc, il y a vraiment pas à vous inquiéter. Ouais. Alors avec mes finances, gros souci, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça vu que
Vu que mes petites annonces de personnes âgées ils ne donnent rien, et puis pour l'instant, et puis que, ben voilà, avec les services sociaux, ben toute seule, j'ai de la peine à. C'est de la survie, en fait, voilà. Ouais, ça se Une autre débloquerait donc. question, si ça va se débloquer avec les services sociaux. S'il y aura une amélioration financière ou une aide financière ou une rentrée d'argent ou je sais pas. Une amélioration dans mes finances, quoi. Soit c'est une aide extérieure, soit c'est le prince charmant qui vient m'aider. Là, alors, je sais pas, je crois pas trop, mais enfin bon. Je sais pas. Regarde. Oui. Mais je sais, je voudrais du Amélioration. petit sucre, mais Le sucre, hein. c'est rare quand j'ai quand elle c'est fort comme ça. Mais je ne cache rien. Je mange des petits morceaux de sucre que je n'aime pas en plus, mais ça me fait du bien. Ça fait du bien. Alors. Moi, ce qui m'apparaît, c'est une somme d'argent. Vous attendez une somme d'argent? On attend toujours une somme d'argent de pas dans mes rêves, mais dans Mais c'est mes désirs, bizarre parce c'est-à-dire. que ça ne correspond pas vraiment à la question que vous avez posée. Mais les cartes répondent qu'il y a une rentrée d'argent. Alors moi je joue pas mal avec des billets de loterie, je crois au Dieu, donc je demande à Dieu une aide financière, vous allez me dire voilà. Et puis je demande de l'aide financière d'une place, une rentrée d'argent, voilà, tout simplement. Je sais que ben, tout est possible, vu que voilà. On dit que c'est avec le temps, hein, donc c'est pas demain, mais les cartes apparaissent, le temps et la belle élévation. Donc pour moi, vous allez acheter un jour un billet à gratter, jouer à la loterie, peu Ah ben importe, j'en prends ce souvent, j'aime bien sera, jouer, oui. eh ben, ce sera ce jour-là, vous n'y attendez pas, bien sûr. Et vous allez jouer et vous allez gagner. Alors, ce n'est pas une Ah ouais, ben. somme non plus pour arrêter comment vais-je dire, de tout faire et de vivre de sa rente qu'on a gagnée. Non, ce ne sera pas à ce point-là. Mais c'est une somme pour moi normale, quoi. Ça va vous faire bien plaisir en tout cas. Ouais, parce que vous savez, j'ai eu gagné la dernière fois, il y a une vingtaine d'années, j'avais eu gagné 5 000, mais je prends des solos, des mégalos, des choses comme ça. Puis maintenant que j'en ai besoin, ben, il n'y a rien qui vient. Donc, il viendrait déjà un petit montant pour mettre 1 000, 2 000 francs pour pouvoir souffler, ça ferait du bien, quoi. Moi j'aurais dit, évidemment, c'est dans mon ressenti direct, moi j'aurais dit dans, ça tourne autour de 3 000 francs. Donc c'est pas énorme, mais ça vous aide. Ouais, ça mettrait du beurre dans les épinards, ça me permettrait de souffler un Tout à tout petit fait. peu, faire un petit peu, faire un petit peu de shopping, prendre le train, aller un petit peu faire 2, 3 magasins sur Lausanne. Moi, j'aime beaucoup Lausanne. Et puis être un petit peu, pas toujours limité, c'est ça que j'aimerais. Moi, des fois, je demande de l'aide aussi à Dieu ou à l'univers. J'avais fait un chèque de l'univers pour 2 000 francs. D'abord, je voulais L'échec de 5 000, d'abord. l'abondance, ça. Ouais, puis j'avais mis 2 000 dessus, puis je l'avais mis sur mon armoire. Je ne sais même pas s'il y est toujours, enfin voilà. Et puis d'abord, j'aurais dit 5 000. Puis je me suis dit, oh, ben si tu as 2, 3 000, c'est plus que j'ai eu dans le passé, mais ça me permettrait de pouvoir faire mon abonnement de train ou aller faire mon petit shopping chez Benetton, chez plus le Bon Génie, les grandes marques comme je faisais avant, mais quelque chose de sympa d'avoir une jolie petite chose. Je suis une fille assez coquette et puis pouvoir me divertir un petit peu, aller manger une fois au restaurant, aller une fois, voilà, Tout à me fait. payer un joli parfum, enfin, c'est plus 5-6 comme avant, mais pouvoir, voilà, souffler, parce que c'est ces blocages qui font que c'est ces limitations depuis toutes ces années qui me sont un petit peu tombées dessus, en fait. Voilà. Je comprends. Puis maintenant, il y a encore, Mais si voilà. j'ose encore faire une dernière question. C'est qu'en fait, la maison où j'habite, elle a été vendue, je vous avais dit l'autre fois. Puis ils sont en train de faire Oui. des travaux, des assez grands travaux.
Et puis j'espère que je pourrai rester, quoi, voilà. Puis que les travaux de salle de bain vont bien se passer. Parce que le carreleur actuellement est Alors, malade, monsieur. je peux juste répondre, parce que la publicité doit arriver, donc je vais vite vous dire un oui ou un non. Donc, sur la salle de bain, vous voulez voir si elle va être rénovée. Oui. Assez rapidement, disons, parce que dans le sens, le monsieur, il a des problèmes de santé, puis il a de Ça va être l'asthme. rénové, mais pas, comme vous dites, pas tout de suite. Ça Ah. tombe, oui, à la troisième. Donc pour moi, ça va être fait, mais c'est pas tout de suite. C'est fin d'année, voire début de l'année prochaine. Ah d'accord, parce que là ils vont mettre l'eau chaude générale, ils sont en train de passer des tuyaux. Après il faudrait démonter pour donc changer le cattel. Puis le monsieur qui s'occupe de ça, il a de l'asthme. Alors il m'a dit, écoutez, madame, que je s'éteins, je vais peut-être être hospitalisée. Je l'ai eu au téléphone hier. Je lui ai dit, comment va votre C'est santé? Il m'a dit, oh, ben possible. écoutez, voilà, puis on est bientôt au mois d'octobre. Donc l'autre monsieur, il est en train de changer les tuyaux, l'eau chaude générale, tout démonter. Puis ils vont enlever D'accord. les bœufs, ça sera déjà très bien. Puis après, il faudrait refaire les planelles et puis faire quelque chose de plus joli, quoi, parce que c'est ancien, voilà. Ben oui. Ouais, ben Voilà. si je peux déjà Donc me doucher et puis je aller. vous laisse. Je vous laisse ici. En tout cas, j'ai été ravi, hein, vraiment d'avoir pu répondre à vos questions. Je Ben m'excuse merci, pour cette petite Nino. chute de tension. Oh là là, Et attention, et puis j'espère que l'amour va me sourire, que je pourrai vous redire, monsieur, mais bien sincèrement, sûr, avec plaisir. bienvenue, parce qu'alors là, ça serait miraculeux. C'est avec grand plaisir, en tout cas, que j'ai répondu à vos questions. Sans Oui. complaisance, je vous dis au revoir parce que je dois annoncer la Alors merci publicité. Ça va me beaucoup, faire Nino. taper sur les Et au doigts. revoir. Tout de Et faites bon attention pour à vous vos et à petites bâtonnets. bientôt. À bientôt, Nino. Au Merci. revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien oui, chers amis, bon, chute de tension, voilà, comme je le dis, hein, celle directe. Hein. Donc, je vais boire un petit verre d'eau, quelque chose un peu plus sucré. Et on se retrouve dans un petit instant, hein, c'est la page de publicité, donc je vous dis à tout de suite. De retour, chers amis, avec votre ami Nino, avec un plaisir immense d'être avec vous. Alors, on est encore ensemble jusqu'à peu près 22 heures, donc vous pouvez encore largement appeler ou faire le concours SMS pour que je réponde à vos questions. Donc, le 0901 901 993 touche numéro 1, donc là sans délai vous arrivez avec moi. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous avez remarqué en bas de votre écran qu'il y a tous nos amis encadrés en vert ou en orange, orange occupé, en vert, donc ils sont libres, vous pouvez les joindre, c'est en privé. Notez bien leur code PIN hein, parce que quand vous composerez le numéro de téléphone, il y aura une voix automatique qui va vous demander eh bien, de composer le code PIN du voyant ou de la voyante. Et vous allez, si vous ne savez pas qui choisir, donc vous allez faire le chiffre 3. Et là, je vous garantis que c'est le petit chiffre porte-bonheur et vous aurez quelqu'un que certainement vous n'avez jamais eu. Et tout se passera bien, en tout cas, moi. Je le sens bien que quand vous appuyez sur la touche 3, vous avez quelqu'un que vous n'avez jamais eu et qui a une façon peut-être différente d'aborder les choses. Et ça vous fera du bien, j'en suis certain, certain. Voilà. Alors, donc, je vais parler aussi, bien sûr, du concours SMS que vous êtes nombreux à faire. Donc, vous envoyez un petit SMS TVM3. Au 700, la petite flèche pour l'envoyer, ce serait dommage qu'il reste dans votre téléphone, et
vous allez voir, voilà, le SMS arrive chez nous dans un ordinateur et de façon aléatoire, il va tirer au sort des numéros de téléphone et donc notre téléphoniste vous appellera et vous dira, voilà, vous avez gagné la consultation avec nous et vous serez bien en communication avec moi. Donc, je n'attends que ça. Donc, faites ce concours SMS TVM3 au 700 pour le franc symbolique. Alors, on va continuer avec notre shop et on va voir pourquoi on n'aurait pas un petit message de l'au-delà. Donc, l'oracle de l'au-delà que vous trouvez bien sûr sur notre shop. Hein. Alors, pour les habitués, vous savez comment je pratique. Je fais semblant que, ben oui, c'est la première fois que je joue à le jeu, comme vous, quand vous le, si vous le commandez, que vous le recevez, ben, ce sera la première fois que vous allez le découvrir. Et donc, je fais comme vous. Alors, comment utiliser ces cartes? Alors, place ta main gauche au-dessus de l'oracle. Ferme les yeux et pense à une personne qui est passée de l'autre côté du voile. Puis choisis intuitivement une carte. Quel message t'adresse ton être cher? Alors, on va essayer justement d'avoir un être cher. Bon, je fais, voilà, comme si c'était la première fois. Hein. Donc, ferme les yeux. Voilà. Pense à quelqu'un. Et on prend le des petites cartes, hein, donc voilà, là vous ne verrez pas ce qui est noté, mais voilà, arrière. Alors le titre, c'est une rencontre. La vie est faite pour aimer et pour être aimé. Le moment est venu d'envisager de refaire ta vie et de rencontrer quelqu'un. Cette nouvelle histoire n'effacera jamais la nôtre. Il n'y a aucune trahison, juste l'occasion d'être heureuse et heureux à nouveau. C'est moi qui te le demande. Alors, c'est vrai que quand on tire une carte comme ça, il y a plusieurs personnes ici sur le plateau, en régie. Donc, mais ce message-là n'est pas attribué parce que je n'ai perdu personne avec qui... j'aurais pu être en couple, donc voilà. Et là, on dit une rencontre, mais cette rencontre, ce serait quelqu'un donc, de décédé qui me dirait ça me ferait plaisir que tu rencontres quelqu'un. Et comme je n'ai personne avec qui j'ai été en couple qui est décédé, à mon avis, ce n'est pas une carte pour moi. Et ça arrive quand il y a plusieurs personnes. Autour de nous, ça c'est cet oracle, il faut bien le faire, comment vais-je dire, il faut bien le faire quand vous êtes seul, voilà, et nous accueillons quelqu'un avec plaisir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Comment allez-vous? Oh, ben, on dirait que c'est pas une période facile, je pense que je suis pas la seule. Hein. Oh non. Vous êtes loin d'être la seule, ça je peux vous le dire. Ouais, ouais. Alors, c'est ça que ma première question, c'est surtout professionnelle. Mm-hmm. Parce que j'ai plus de travail et puis tout ce que je postule, c'est négatif, tout le temps. Et quand je suis en entretien d'embauche, on est les deux derniers puis ils prennent l'autre. Alors, je voulais savoir si je retrouve prochainement un travail, parce que là, je suis en attente du chômage, mais pour l'instant, je touche rien. Alors, voilà. Mais moi, non, vous avez postulé à plusieurs endroits. Ouf. Depuis, en fait, j'ai eu des problèmes l'année passée, et puis j'ai été licenciée, et puis pour éviter le chômage, j'ai accepté un travail dans un autre endroit que j'ai pas apprécié,
Et puis, j'ai pas arrêté de faire des offres. Depuis une année, j'en ai fait plus de 40. Mais je vois dans les cartes que il y a la belle élévation qui apparaît tout de suite. Hein. Donc, quand on a une carte comme celle-là, ça veut dire que c'est un oui catégorique à la question. Donc, est-ce que c'est par rapport à quelque chose que déjà vous avez postulé, ou alors c'est prévu que vous allez postuler dans quelques jours, mais vous allez avoir une réponse et vous allez être convoqué donc pour un entretien, hein, tout simplement. Et donc moi je vois des aspects positifs en tout cas à ce niveau-là. Donc oui, il y a eu le négatif où vous n'avez pas trouvé comme vous vouliez, mais pour moi, vous vous mettez, on vous remet, ou vous vous remettez, je ne sais pas comment je peux dire ça, sur le droit chemin pour retravailler et être bien. Ok, bon. Oui, 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 moi j'ai une très belle carte. Ouais. Oui, 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 vous avez même les armes en main pour, on va dire, affronter un nouveau travail, quoi. Donc, vous avez les armes en main. Donc, pour moi, ils vous feront un petit contrat au début, hein, pour un contrat d'essai. Mais ensuite, pour moi, il y a un contrat intéressant. D'accord. Donc, bon, j'espère. Et vous serez contente, comment vais-je dire ? Vous serez contente voilà, d'avoir trouvé ce travail. Et moi, je vois une bonne ambiance. Je vois quelque chose qui vous plaît. Il y a un endroit en particulier où vous voudriez être. Je sais que j'ai plusieurs casquettes, j'ai plusieurs métiers. Alors, c'est vrai que moi, j'ai besoin... Il y a de la communication. On me dit que c'est quelque chose... L'aide à la personne, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de communication avec des personnes. Oui, ben c'est un peu mon métier. J'étais dans la police pendant des années. Et puis là, j'ai fait une formation en médiation. J'étais contre la fraude, donc j'ai pas mal de casquettes. Je viens du milieu médical, mais c'est vrai que je sais pas très bien où aller maintenant, parce que dans tout ce que je postule, ben, chaque fois, il faut des masters, des bachelors... parler 12 langues, avoir 25 ans. Oui, voilà. Mais j'ai envie de dire, vous avez aussi un bagage que quelqu'un qui a 25 ans n'a pas. Donc, ça peut avoir des inconvénients, mais ça peut avoir des avantages aussi. Avantage. En tout cas, vous avez envie d'aller de l'avant. Dans le travail, mais moi je vois que ça va aller de l'avant et que on va pas choisir quelqu'un qui a 25 ans. Bon, ils sont contents de parce que vous m'avez dit vous avez plusieurs cordes à votre arc, donc ça ils vont le voir tout de suite que vous n'êtes pas stupide ou non. Vous avez un beau bagage derrière vous, donc ils seront contents de ne pas devoir vraiment, ils vous formeront un petit peu, mais pas devoir vous former à zéro comme certaines personnes qui n'auraient pas encore fait ce travail-là. Oui, ouais, bien sûr. Sinon, bon, on verra de quoi ça va devenir. C'est positif. Hein. Oui, pour moi c'est très d'accord. Positif. Bon. Ben, je vous rappellerai si je décroche contrat. Mais écoutez, je pense que au début, c'est un contrat déterminé, hein. C'est un essai, on va dire. Mais comme ça, il y a toujours 3 mois d'essai. Oui, voilà. Chez nous, c'est 6. Donc, vous avez la chance que c'est 3 chez vous. Mais ils seront ravis des 3 mois, et vous aussi, parce qu'ils vous rappelleront après les 3 mois en direction pour dire alors comment ça se passe, ce que vous aimez bien, ce que vous faites, et tout jouera pour vous, et ça jouera pour eux aussi parce que vous faites du bon travail, donc tout est, pour moi, tout est positif. Hein.
D'accord. Bon, bah super. Puis, ben, mis à part le boulot, bah, évidemment que les amours, bah, c'est tout aussi catastrophique. Donc, je voulais voir si bah, j'allais rencontrer quelqu'un avec qui je vais enfin pouvoir avoir une histoire sérieuse. Il y a déjà un moment que vous êtes seul. Alors, ça fait 3 mois que c'est fini avec mon ancien ami, mais ça fait plus d'une année que on était un peu frère et sœur, quoi, que c'était pas terrible. Et Ouais, puis il m'a un peu je vois que lâché, il m'a ça lâché fait dans les histoires. longtemps que. Oui, Il parce s'en qu'on me dit fout. ça fait longtemps que vous n'avez pas vraiment. Parce que même si il y a un an. Non, c'est quand même pas rien. Si, voilà, il n'y a pas eu vraiment de rapprochement. Donc, mais je vois pour vous une nouvelle rencontre. Hein. Je vais affiner ça. Mais oui, hein, sur vos doutes, vous avez, voilà, je montre les cartes à l'antenne. Sur vos doutes, vous avez la belle élévation. Donc, oui, vous doutez de rencontrer quelqu'un de bien, mais il ne faut pas. Parce que vous avez la belle élévation qui est là, et je vois que les choses sont positives. D'accord. Mais on arrive à voir si c'est dans 6 ans ou bien maintenant. Alors, c'est ça que je suis en train de regarder pour donner une notion de temps. Alors, j'ai un chiffre 11, près au mois de novembre. Et regardez, qu'est-ce qui est en ressort, c'est la belle lumière. Donc, vous n'avez quasiment, j'ai envie de dire, que des bonnes cartes. Hein, donc, Ok. moi, je vois des aspects très positifs à ce niveau-là. Ah ouais, effectivement. Le boulot, l'amour, tout arrive. Mais écoutez, oui, la roue tourne, hein, comme on dit, on a Ah bah, les j'espère en moments. tout cas. On a les moments négatifs, mais voilà, moi je vois des aspects positifs pour vous maintenant. Je regarde pas le négatif, je regarde le futur et je vois du positif. Donc pour moi, vous n'allez pas vous inquiéter à outre mesure, hein. D'accord. Bon, ben j'espère. Très bien. Ben je vous remercie infiniment. Oui, et regardez même, vous remettez de l'ordre, mais ça c'est travail, amour, dans la vie, en fait, vous remettez de l'ordre dans votre vie avec une belle clé de réussite. Donc tout ce que vous allez D'accord. entreprendre, pour moi, vous avez la belle clé de réussite, donc les choses, pour moi, vont bien se passer. Ok, bon, au moins, ça aide à être positive, effectivement. Et Bon, si c'est vous vrai que c'est avez un gros, d'autres gros changement. questions, je vous en prie, vous Non, bah là, pouvez c'est mes deux me questions poser. principales. Donc, en plus, c'est positif, donc, super. Bah, une petite dernière pour la route, pourquoi pas? Bah, je sais pas quoi demander. Là, c'était vraiment les deux. Si financièrement, ça va s'améliorer? Les finances, d'accord, Les finances, oui. regardez. Mais disons que moi je vois que tout arrive quasiment en même temps. Hein. Donc pour moi ça vient que travail. Ouais. Mais oui, Donc c'est un hein, travail au les moins finances qui me ramène remontent. des... D'accord. Donc c'est Oui, quand même un ça c'est travail avec un bon certain. salaire. C'est un travail, je le vois ici, avec un bon salaire. Et vous aurez le pourcentage d'heures. Négocié, donc qui me conviendra très bien. Et oui, je vois des belles choses avec
avec tout ça. Donc, les finances, pour moi, remontent avec le travail, donc plus ou moins fin octobre, début novembre, mais en tout cas, toujours sur cette année. Et vous allez voir, ça va vraiment être quelque chose qui va vous plaire. Alors, vous me direz oui, d'accord. Vous avez plusieurs emplois dans votre vie. Il y en a sûrement qui vous ont moins plu et il y en a d'autres qui ont plu. Mais oui. Là, je vois quelque chose qui va vraiment vous plaire. Et le financier est là. Et donc, ça, c'est très important aussi. Ouais, ouais. Donc, ça, le travail, ça serait fin octobre, début novembre. Oui. À peu près. Moi, je le ressens comme ça. D'accord. Bon. Ben, c'est parfait. Voilà. Super, bon, merci beaucoup. Plus du tout de questions ? Non, c'est tout bon. Alors, je vous remercie infiniment. Mais avec plaisir. Bonne fin de soirée. Merci. D'accord. Moi aussi, je vous dis bonne fin de soirée. Tout de bon pour revoir, vous merci. Et vous revenez quand vous voulez. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, les amis, hein, donc vous voyez comment ça se passe. Hein. On peut poser aussi des questions sur l'au-delà, on peut poser des questions sur les rêves, l'interprétation des rêves, ça je fais. Et sur le financier, les vacances, les amours. Que la santé, le juridique, là on ne peut pas trop s'étaler, mais voilà, moi je peux répondre à vos questions, donc n'hésitez pas, 0901 901 993, touche numéro 1, et là vous arrivez sans délai avec moi, ou le fameux concours SMS, il reste encore oui, largement le temps de faire un petit SMS, TVM3 au 700. Vous appuyez sur la petite flèche et peut-être dans les minutes qui vont suivre, vous serez ici à mes côtés parce que notre ordinateur va tirer au sort votre numéro de téléphone et notre standardiste eh bien, vous appellera et vous dira « voilà, vous êtes avec Nino ». Alors, en attendant justement d'avoir, encore un appel, on va réouvrir les portes de notre shop et on va parler du pendentif porte-bonheur doré du tarot de Marseille. C'est le soleil avec sa chaînette offerte. Alors, donc on va plonger dans la signification de la tarologie. Alors, c'est plutôt le tarot de Marseille, donc c'est pas vraiment mon domaine. Mais je trouve cette carte, ce pendentif, très jolie. Et j'aime évidemment toutes ses vertus, ça vous me connaissez. Hein. Donc, on plonge dans la tarologie. Laissez-vous réchauffer le cœur par ce pendentif porte-bonheur doré donc, du tarot de Marseille, donc le soleil. Alors, selon les professionnels de la tarologie, lorsque vous tombez sur la carte du tarot le soleil, c'est magnifique, hein, et qui apparaît sur votre écran en ce moment, c'est que les énergies positives se sont invitées sur votre chemin. La carte le soleil rayonne le bonheur, elle symbolise la lumière, la réussite, la vitalité, la confiance en soi et la clarté émotionnelle. Elle évoque des moments de positivité, de prospérité et d'accomplissement. Voilà. Pour certains, vous sortez du tunnel et pour d'autres, vous arrivez à un nouveau tournant de votre vie avec un épanouissement total à la clé. Portez au quotidien ce pendentif porte-bonheur de la carte du soleil symbolise la positivité. Éloigne les nuages et les présages de faire briller le soleil dans vos cœurs et tout autour de vous. Comme pour le porte-bonheur de la carte du monde, ce bijou porte-bonheur n'est pas réservé aux adultes. Et ça, c'est intéressant aussi.
Les plus jeunes peuvent également profiter de son originalité et surtout de ses bienfaits, et même le porter sous la douche ou à la piscine, car il est fabriqué dans des matériaux inoxydables. Ça, c'est formidable, hein, parce qu'on peut prendre sa douche avec, voilà. Limite, on peut l'oublier qu'on l'a autour du cou et les vertus sont là et il ne s'oxyde pas, donc il restera toujours aussi beau. Donc, toujours dans l'esprit d'ajouter une touche d'élégance dans votre style, ce pendentif attirera les regards, illuminera votre quotidien, rayonnera la bonne humeur tout autour de vous. Et voilà, ce pendentif est bien plus qu'un simple accessoire de mode, parce que c'est vrai qu'il est très joli, qui porté au quotidien pourrait bien attirer de bonnes énergies et des moments de pur bonheur. Alors, pour le commander, hein, sur votre écran, www.parlezmoidavenir.shop, vous tapez tarot le soleil, par exemple, et une petite loupe qui est sur notre shop. Je ne pense pas que c'est sur la première page que. Comment vais-je dire? Ce n'est pas sur la première page. Je pense que vous allez le trouver sur notre shop, mais c'est pas très loin, c'est pas un article très ancien. Donc, voilà, vous tapez tarot le soleil et je suis sûr que vous allez tomber donc sur ce pendentif porte-bonheur. Donc, pour le commander, www.parlezmoidavenir.shop, et là vous avez donc la possibilité de le commander en ligne et d'avoir les frais de port. Si on vous demande un numéro de carte bleue, comme je l'ai déjà dit, eh bien, vous pouvez l'introduire, il n'y aura pas de problème avec ça. C'est un site 100% sécurisé. Et si vous désirez le commander et avoir peut-être une explication supplémentaire sur cet article, voire un autre, eh bien, vous pouvez contacter pendant les heures de bureau le 021 694 24 00 et une personne, une charmante personne, spécialiste de notre shop, pourra répondre à toutes vos questions et même vous conseiller si voilà, vous souhaitez une pierre et une pierre qui puisse vous aider dans votre énergie, eh bien, vous pouvez poser toutes ces questions à la personne donc que vous appelez au 021 694 24 00 comme indiqué sur votre écran. Voilà. Alors, je vais continuer parce que j'avais oublié avec mes sous-verres. Oui, je n'ai pas dit la suite. Alors, donc, je parlais, c'était avant la publicité, je pense, des sous-verres fleurs de vie en bois de bouleau, donc qui sont composés de deux pièces. Et donc, j'étais arrivé à vous dire que la fleur de vie favorise toutes les entreprises et la confiance en soi. Elle favorise la régénération, la purification. Mettez un verre d'eau 10 minutes dessus et goûtez la différence. Vous pouvez aussi mettre les graines de votre jardin sur la fleur de vie avant de les planter, mais aussi de la nourriture, des huiles essentielles, etc. Tout ce qui est naturel. Elle aidera aussi à rééquilibrer et harmoniser un lieu, une habitation, une pièce, ainsi que les corps subtils vibratoires et les centres d'énergie du corps humain. Elle est un bon support pour la méditation et l'apaise le mental. La fleur de vie renferme toutes les lois de la nature physique, biologique et même musicale. Alors, voilà, c'est sur votre écran, c'est très joli, c'est magnifique. Vraiment, je trouve ça très très beau. Moi, j'ai pas les sous-verts, mais j'ai fleurs de vie et des arbres de vie partout dans la maison, même dans la voiture. J'adore ça. Donc là, au prix démocratique, vraiment de 15 francs, vous pouvez vous procurer ces deux pièces, donc ces deux sous-verres. Et donc pour commander, c'est toujours le même principe.
vous notez bien, sous vert, fleur de vie en bois de bouleau, parce que ça, c'est un article un peu plus ancien. Donc, il faudra le rechercher sur notre shop, hein, sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, ou vous pouvez directement le commander par téléphone et par la même occasion avoir plus d'explications si vous le souhaitez. Pendant les heures de bureau, donc au 021-694-2400, je rappelle que si on demande un numéro de carte bleue, eh bien, donnez-le parce que c'est 100% sécurisé. Ce dont je voulais en profiter, hein, voilà, tant qu'il n'y a pas d'appel, de parler un peu de tout. Et je voulais vous rappeler aussi que si vous souhaitez contacter, me contacter à l'arrière sur le code 103 ou contacter tous nos amis qui sont en bas de votre écran et même ceux qui sont hors ligne et qui seront après en ligne, ça c'est sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous pouvez aussi faire l'achat de minutes de forfait prépayé. Et donc, grâce à ces forfaits prépayés, je pense que le minimum est 30 minutes, vous payez nettement moins cher à la minute. Je ne sais pas les prix exacts. Donc là aussi, plus de renseignements au 021-694-2400 et pendant les heures de bureau. Et cette personne pourra donc vous dire, voilà, si vous prenez 30 minutes, eh bien, vous payerez 3,50 € la minute. Je donne vraiment un exemple, hein. Et donc ça, c'est pour consulter, non pas à la télévision, mais pour consulter à l'arrière tous nos amis en bas, mais moi-même également, parce que je suis aussi sur la ligne privée, hein, comme on dit, je suis aussi à l'arrière, et ça me fait un plaisir immense de répondre à vos questions, de vous mettre des bougies de neuvaine, et plusieurs fois, il y a eu des témoignages concernant ces bougies qui durent 9 jours, qui sont totalement gratuites, vous ne payez que la communication, mais ces bougies de neuvaine, je les allume pour vous, et voilà, c'est vous qui dites que ça vous fait beaucoup de bien, donc je continue à en allumer, et vous continuez à m'appeler, donc sur le code 103, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, et je répondrai aussi à toutes vos questions si vous souhaitez me consulter en privé. Alors, il faut savoir que cette émission que vous avez vue aujourd'hui en direct absolu va tout doucement se terminer. Et donc, elle sera rediffusée demain de 12h à 14h et aux environs de 11h dans ces eaux-là. Et surtout de 12h à 14h, et certainement après-midi un petit peu aussi, et au soir lors des émissions de mes collègues, je serai connecté, donc voilà, vous avez plusieurs possibilités, donc plusieurs créneaux horaires plutôt, pour me consulter, et je me ferai un plaisir donc de répondre à toutes vos questions. Donc je rappelle, hein, l'au-delà, les rêves, tout ce que vous souhaitez, la santé, le juridique, hein, je rappelle ça, on ne peut pas trop en parler, mais les énergies et les bougies de neuvaine font bien remonter les énergies. Et ça, c'est vous qui le dites, puisque vous êtes charmant, et là, vous le dites à l'antenne, hein, que ces bougies de neuvaine vous font beaucoup de bien. Alors voilà, nous arrivons vraiment dans les dernières secondes, on va dire, de l'émission. Donc, je rappelle, donc, si vous souhaitez me joindre demain, c'est au 0901-901-993, touche numéro 2, et vous me verrez encadré en vert, si je suis en orange, à côté de mes collègues, et vous attendez que je repasse en vert, mon code est le 103, et je me ferai un plaisir donc, de répondre à toutes vos questions. En tout cas, j'ai été ravi de faire cette émission en direct en votre compagnie.
Je vous fais plein de gros bisous, faites de doux rêves et on se retrouve très vite, d'ici quelques jours en direct et sinon demain pour ceux qui veulent me consulter sur le code 103. Belle soirée à vous et de doux rêves et plein de gros bisous. Mouah, à bientôt.